Nous avons un certain nombre de fragments manuscrits qui datent manifestement du 1er siècle de l'Égire. Alors, il y a des débats parmi les historiens sur la date à laquelle le texte que nous connaissons a grosso modo pris forme. La version, on va dire, la plus courante, qui est celle de la tradition musulmane, considère que le texte que nous connaissons prend forme à l'époque de Othman, donc le troisième calife, troisième chef de la communauté musulmane, donc après Mohammed, qui règne entre 644 et 656, et que, grosso modo, le texte aurait pris une forme telle que nous la connaissons au début des années 650, donc une vingtaine d'années après la mort de Mohammed. D'autres chercheurs considèrent quand même que les choses sont peut-être un peu plus compliquées et qu'il n'est pas exclu que le texte ait pris la forme que nous connaissons quelques décennies plus tard, lors du califat de Abd el-Malik, calife omeyyade, qui a régné entre 685 et 705. Donc, quoi qu'il arrive, le texte prend une forme proche de celle que nous connaissons entre le début et la fin de la seconde moitié du 7e siècle. Quand exactement, on peut continuer à débattre longtemps, parce que la question de la datation des plus anciens témoins matériels du texte est en réalité beaucoup plus délicate qu'on ne le dit souvent. Donc ça laisse effectivement quelques décennies après la mort de Mohammed. Bien. Donc c'est une collecte qui a lieu relativement tôt après la mort de Mohammed, mais pas immédiatement après en réalité. Donc c'est une durée de genèse qui est en fait à peu près comparable à celle de certains des évangiles ou textes du Nouveau Testament. Donc l'écart entre le texte, on va dire, et la prédication initiale, si l'on veut, est à peu près comparable dans les deux cas. Alors, on n'a pas de manuscrit complet de cette époque, on a des parties de manuscrits, mais on suppose que ces parties de manuscrits appartenaient à un manuscrit relativement complet, en tout cas relativement proche du Coran tel que nous le connaissons. Alors, pour ces anciens manuscrits, on peut dire qu'on a trouvé les plus anciens manuscrits dans l'équivalent, on va dire, musulman de ce qu'on appelle dans le judaïsme une Geniza. On connaît beaucoup la Geniza du Caire qu'on a découverte au XIXe siècle, où on avait entreposé de vieux manuscrits qu'on ne voulait pas détruire, notamment parce qu'ils comportaient le nom de Dieu, mais qu'on n'utilisait plus. Et ce système de dépôt a pu être trouvé dans différentes mosquées dans le monde musulman, et les principales sources de manuscrits anciens, c'est d'une part la mosquée de Amr à Foustat, au Caire, dans laquelle on a trouvé au XIXe siècle de nombreux manuscrits relativement anciens, la grande mosquée de Kairouan en Tunisie, la mosquée des Omeyyades à Damas, et plus récemment, c'est quelque chose qui date des années 70 du XXe siècle, la mosquée de Sana'a au Yémen, dans laquelle on a trouvé un nombre assez important de très vieux manuscrits, dont certains très intéressants, qui sont des palimpsestes. Alors un palimpseste, c'est quoi? C'est un manuscrit sur lequel on a réécrit. Vous savez qu'on écrivait à l'époque sur du parchemin, donc de la peau de mouton qui était traitée, un matériau qui est cher, qui coûte cher, et donc ce qu'il arrivait parfois, plutôt que d'acheter des nouveaux matériaux, on gratte un texte, on l'efface et qu'on réécrive par-dessus. Mais les traces laissées par l'encre pour le texte qui a été écrit au départ peuvent être visibles au moyen en particulier de rayons ultraviolets. On parlera donc pour le texte qui est écrit en dessous, donc qui a été effacé, de la scriptio inferior, donc de l'écriture inférieure qui a été effacée, qui est la plus ancienne. Et pour le texte qui est écrit par-dessus et que l'on peut lire plus facilement aujourd'hui, de la scriptio superior, donc de l'écriture du dessus. On a effectivement, en particulier, on en a beaucoup parlé, un palimpseste du Coran à Sana'a qui contient, aussi bien sur la scriptio inférieure que la scriptio supérieure, des passages du texte coranique. Avec, notamment pour la scriptio inférieure, qui est la plus ancienne, quelques différences relativement minimes par rapport au texte reçu aujourd'hui. Donc sur cette question, en tout cas, des témoins matériels,
dont les feuillets se trouvent aujourd'hui dans différents endroits. Alors, certains se trouvent encore au Yémen, d'autres se trouvent notamment pour le fonds de la de Foustat, notamment à la Bibliothèque nationale de France, également à Saint-Pétersbourg ou à la British Library. D'autres manuscrits anciens se trouvent ailleurs, à Leiden, à Tübingen, il y en a un peu partout. Mais on peut effectivement, depuis quelque temps, en voir certains, en examiner certains, digitalisés sur Internet. Donc c'est un progrès tout à fait considérable pour les chercheurs, puisqu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de pouvoir consulter des manuscrits du Coran ancien grâce à la mise en ligne d'une quantité assez substantielle, effectivement, de vieux manuscrits. Alors, sur la question du plus vieux manuscrit complet que l'on peut dater par un colophon, c'est-à-dire par une phrase écrite par le scribe, par exemple à la fin du manuscrit, où il indique la date à laquelle il a fini de copier le manuscrit, ça nous indique effectivement plutôt la fin du IXe siècle, si je ne me trompe. Pour les manuscrits les plus anciens, il y a des grands débats de datation, parce que la datation au carbone 14 des manuscrits de Sana en particulier, a donné, et pas que ceux de Sana, a donné des résultats en partie aberrants. La moitié des résultats, par exemple, donne des manuscrits de date pré-islamique, ce qui pose problème. Donc, la datation exacte est difficile à déterminer. Comme je l'ai dit, on a certainement des témoins matériels qui datent de la deuxième moitié du 7e siècle. On ne peut pas savoir la date précise à l'année près, il n'y a pas de colophon et les méthodes de datation ne sont pas suffisamment précises pour aller plus loin. Donc sur la question de l'intégrité ou de l'intégralité du texte, alors il y a bien sûr plusieurs écoles qui s'affrontent. Alors si l'on suit évidemment la version de la tradition islamique, les révélations, je dirais, qu'a reçues Mohammed ont été pieusement conservées et le texte est le reflet précis, sans erreur, sans changement, de la prédication historique de Mohammed, d'abord La Mecque de 610 à 622, puis à Médine de 622 à 632. Alors cette idée d'un Coran qui serait un texte qui ne contiendrait que des morceaux authentiques de la prédication de Mohammed et qui, je dirais, aurait été transcrit et transmis de façon parfaitement exacte, est une idée qui, d'une part, est effectivement typique de la tradition sunnite et qui était assez majoritaire dans la recherche occidentale à partir du XIXe siècle. Tout un courant de la recherche aujourd'hui est beaucoup plus réservé là-dessus, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, il faut rappeler que l'idée selon laquelle tous les musulmans auraient été d'accord sur le texte coranique et sur la révélation est une idée fausse. Il y a eu un rejet massif de l'intégrité, je dirais, de l'authenticité du texte coranique dans le chiisme ancien, par exemple, jusqu'au Xe siècle. Les chiites considèrent que le texte coranique qui est l'œuvre et le produit de la famille Omeyyade, ça tout le monde est d'accord là-dessus, mais les chiites qui sont adversaires des Omeyyades considèrent que les Omeyyades ont manipulé le texte et que le véritable Coran était différent et beaucoup plus grand et qu'on a enlevé des passages du Coran, voire que certains ont été ajoutés. L'historien, de son côté, indépendamment de la date à laquelle le Coran finalement se trouve prendre la forme du livre tel que nous le connaissons, l'historien peut se demander justement s'il y a eu un travail rédactionnel et un travail compositionnel, je dirais, substantiel sur le texte, y compris dans les années qui ont suivi la mort de Mohammed. Alors je fais partie des chercheurs qui considèrent qu'il y a bel et bien eu un tel travail, et qu'on retrouve dans le Coran, de différentes manières, toutes les choses qu'on retrouve dans la constitution d'autres écritures, on va dire, sacrées, à savoir des interpolations, donc des ajouts de passages, des omissions, ou des passages qui sont enlevés, alors qui sont évidemment
plus difficiles à repérer puisqu'ils ne sont plus là, mais on peut repérer des vides ou des éléments où quelque part il manque quelque chose, des réécritures qui sont clairement à l'œuvre dans le corpus coranique, et également ce qu'on appelle des relocalisations, à savoir le fait qu'un passage se trouve déplacé à un autre endroit par rapport à son endroit initial. Donc le texte coranique est en réalité un texte qui a une histoire, et surtout qui a une histoire plus compliquée que le récit traditionnel ne semble l'indiquer. Alors, sur la question de la version reçue du Coran, on lit la plupart des gens aujourd'hui, quand ils achètent un Coran en traduction française, sauf s'ils achètent la vieille version de Kazimirski, ou quand ils achètent un Coran en arabe, achètent en fait une édition du texte coranique qui a été établie en 1923 par l'université d'Al-Azhar au Caire, mais qui est en fait une seule des versions canoniques du Coran. Alors, il faut un peu expliquer les choses. Initialement, le texte coranique, quand il était transmis par écrit, était transmis dans un type d'écriture qui ne notait pas les voyelles en arabe, ni les points diacritiques. Autrement dit, les témoins matériels les plus anciens du texte coranique sont écrits dans une écriture ou avec une orthographe qui ne note pas certains signes qui sont en principe nécessaires pour lire le texte. Autrement dit, les voyelles brèves ne sont pas notées, les alif, donc le a long, très souvent n'est pas noté, et des points, ce qu'on appelle les points diacritiques, donc des points qui sont ajoutés en dessus ou en dessous du dessin de la lettre, de la consonne en arabe, et qui permettent de distinguer différentes consonnes qui sinon s'écrivent identiquement, ne sont pas notées non plus. Donc effectivement, par exemple, pour donner un exemple très simple, les consonnes ba, ta, fe, ye, ne, par exemple, si on prend, s'écrivent de la même manière, sauf que les points ajoutés suppriment l'ambiguïté. Bon, dans le cas des manuscrits les plus anciens, eh bien, ces points ne sont pas ajoutés. Bon. Donc c'est une écriture qui est en réalité donc, assez difficile à lire, précisément, parce que, pour diverses raisons, qui seraient peut-être trop longues de discuter, dans les manuscrits coraniques les plus anciens, ces éléments-là ne sont pas notés par les scribes. Bien. À partir de là, se sont développées, à travers dans l'histoire de l'islam, des traditions de lecture différentes. Donc des manières d'ajouter les points diacritiques et les voyelles qui sont, dans la plupart des cas, dans plus de 90% des cas, identiques, mais qui sont parfois légèrement différentes, pour des raisons diverses et variées, qui peuvent être liées soit à des variétés dialectales, soit à des façons différentes de comprendre le dessin consonantique. Et au Xe siècle, donc dans les années 920 pour être précis, un savant qui s'appelait Ibn Mujahid a établi qu'il y avait, pour faire simple, 7 modes de lecture qu'on allait conserver à l'exclusion des autres. Et donc ce sont les 7 lectures donc, dites canoniques auxquelles vont s'ajouter 3 autres lectures puis 4 autres. Tout ça, ça constitue les versions du Coran toutes également canoniques, disponibles aujourd'hui dans le monde musulman. Et en réalité, beaucoup de fidèles musulmans ne sont pas conscients du fait qu'il y a des petites différences entre ces différentes versions. Il y a des centaines de différences, voire plus, qui ne changent rien au sens, mais il y a des passages où le sens est différent entre les différentes versions. Prends un exemple, dans la sourate, toujours la sourate 3, la famille de Imran, le verset 146, je crois. Dans 5 des 10 versions canoniques principales, ou 6, il est dit « Combien de prophètes ont combattu ?» Et si vous lisez le Coran dans l'édition dite du Caire, qui suit l'une de ces lectures, vous aurez effectivement ce sens-là, « Combien de prophètes ont combattu ?» En revanche, au Maghreb, c'est encore le cas aujourd'hui, on utilise une lecture canonique un peu différente,
Et dans cette lecture canonique un peu différente, le sens, le terme que l'on a n'est pas qatala, ont combattu, mais qutila, ont été tués. Ce qui fait un sens effectivement différent. Alors, c'est relativement marginal, ça n'implique pas, si vous voulez, de différences théologiques fondamentales, mais ça montre effectivement la variété, je dirais, de ces versions canoniques. Toutes ces versions canoniques, grosso modo, c'est un peu plus compliqué, mais grosso modo, donc concernent le même ductus consonantique ou le même rasme, c'est-à-dire le même tracé des dessins, point diacritique et voyelle omise. J'ai parlé tout à l'heure effectivement du fait qu'on écrivait au départ que ce dessin sans les points diacritiques et les voyelles. Bon là, ces différentes variantes canoniques concernent toutes le même ductus consonantique, à peu de choses près, et c'est ce que traditionnellement on dit être le ductus consonantique de la Vulgate de Ruffman, du Coran de Ruffman, si ce Coran remonte bel et bien à Ruffman ou pas. À côté de cela quand même, on a dans les traditions islamiques, et également parfois dans certains manuscrits de l'époque médiévale, les mentions d'autres codex, d'autres Corans, compilés par d'autres personnes que la famille Omeyyade. Donc on va dire qu'il y avait le Coran d'Ibn Mas'ud, qui était un des compagnons de Muhammad, le Coran de Ubay ibn Ka'b, le Coran de Ali chez les chiites, et ainsi de suite, qui étaient donc des textes dont on n'a retrouvé aucun manuscrit, dont je ne dirais pas qu'ils remontaient forcément aux compagnons, mais au moins qu'ils étaient attribués à ces compagnons. Donc, quand un texte du 9e siècle, par exemple, parle du Coran de Ibn Mas'ud, c'est un Coran ou un manuscrit qui est attribué à Ibn Mas'ud, mais est-ce que c'est de lui, c'est autre chose. Et donc, qui, eux, avaient des différences par rapport au texte coranique lui-même, tel que nous le connaissons, à savoir que, par exemple, certaines sourates ne s'y trouvaient pas, dans le Coran d'Ibn Mas'ud. D'autres sourates supplémentaires pouvaient éventuellement s'y trouver. Et dans le cas de certains passages, il y avait des différences plus importantes au niveau de la formulation. Donc, on voit que, quelle que soit la réalité de ces codex, je dirais, de ces Corans des compagnons, il y avait effectivement des désaccords et des débats, on le voit dans la tradition islamique, sur la manière de constituer le texte, avec quelques variantes plus ou moins importantes. Alors, il faudrait distinguer deux périodes quand même. Il y a la période un peu qui est la moins documentée par des témoins matériels, mais dont on trouve des traces en analysant le texte, qui est celle de la constitution, de la composition du texte coranique lui-même, les interpolations, les omissions, les réécritures. Et ensuite, il y a effectivement, à partir du moment où des codex plus ou moins complets apparaissent, tous les débats sur la stabilisation elle-même du texte, qui finalement prend quand même pas mal de temps, hein, prend plusieurs siècles. Comment arrive-t-on à un nombre relativement limité de versions ? Alors, d'une part, il y a une connaissance plus ou moins précise, une transmission orale plus ou moins précise qui exclut certaines compréhensions possibles. Et je dirais, le contexte lui-même et le vocabulaire de la langue arabe exclut certaines nombre de ponctuations possibles du texte lui-même. Et puis également, ce nombre de 7 versions canoniques, plus 3, plus 5 par exemple, plus 4, pardon, donc quelque chose qui finit par 14, et le nombre que l'on obtient après avoir écarté d'autres versions possibles. Donc il y a un travail effectivement de stabilisation qui passe par un travail d'élimination d'autres lectures concurrentes et de destruction effectivement de manuscrits considérés comme non conformes, et le cas échéant de bastonnades pour ceux qui utiliseraient encore les versions anciennes. On en a des témoignages. Donc c'est un processus évidemment éminemment politique. Il y a une grande différence de ce point de vue-là entre la constitution et surtout la transmission et la dissémination et la stabilisation du texte coranique, par exemple, par rapport aux évangiles, c'est que
C'est vrai qu'on retrouve dans le texte coranique moins de différences de sens, de variantes que dans les évangiles. Ça s'explique à mon sens, non pas parce que le texte coranique aurait été stabilisé ou mis par écrit plus tôt, mais qu'il a été en fait transmis, mis par écrit, disséminé de manière centralisée sur l'initiative, à l'initiative du pouvoir politique. Donc cette transmission centralisée, évidemment, a impliqué la destruction des versions concurrentes non conformes au pouvoir politique. C'est grosso modo ce que disent les chiites, et ils n'ont pas forcément tort. Et également, évidemment, a permis une stabilisation du texte dans des limites plus étroites qu'une transmission qui aurait été beaucoup plus décentralisée et moins, on va dire, contrôlée par le pouvoir politique. Si on suit la version traditionnelle, on va dire que Uthman fait écrire quatre exemplaires du Coran, un restant à Médine, les trois autres allant à Damas, Basra et Koufa. Si on suppose que la dissémination commence davantage à l'époque de Abdelmalik, on aura le même principe, à savoir une décision du pouvoir politique, et on envoie un exemplaire princeps, si l'on peut dire, dans les différentes provinces de l'Empire, dans les différentes garnisons, et puis à partir de là, le texte continue à être copié, et les variantes, effectivement, de lecture se développent aussi précisément sur des bases régionales. Donc c'est une diffusion qui se fait progressivement, et effectivement, sur une base centralisée et sous le contrôle de la dynastie Omeyyade et plus tard de la dynastie Abbaside. Il ne faut pas cela dire en déduire que le texte du Coran était très bien connu par les premières générations de musulmans. On a souvent l'impression, en lisant les sources islamiques, que à la Mecque ou à Médine, tous les compagnons passaient leur temps à réciter des sourates ou à se poser des questions sur les interprétations de telle ou telle sourate. Ça me paraît plutôt être des anachronismes ou des projections dans le passé de débats plus tardifs relevant plutôt du IXe siècle. On a un certain nombre de textes sans doute qui sont connus ou pratiqués, un nombre relativement limité, mais le Coran en tout cas texte utilisé dans la liturgie par exemple. Je parle en tout cas du codex, du livre lui-même. Les traditions semblent indiquer que c'est sur Abdelmalik précisément, donc à la fin du 7e siècle, que l'on décide de mettre un Coran dans la mosquée ou les plus grandes mosquées, et donc qu'un exemplaire matériel du livre apparaît dans un cadre, je dirais, liturgique. Sur les décennies précédentes, il est tout à fait probable que dans le cadre des différentes prières, effectivement, prononcé par les fidèles, l'équivalent de versets qui sont aujourd'hui dans le Coran pouvait être prononcé. Mais on n'a pas d'attestation à cette époque-là, donc avant la fin du 7e siècle, de l'usage d'un exemplaire matériel du Coran dans un cadre liturgique. Concernant les oppositions à la version officielle, on en a dans différents courants de l'islam, notamment chez les chiites, qui vont rejeter le texte coranique jusqu'en gros la fin du Xe siècle. Le premier auteur finalement accepté la version sunnite, entre guillemets, du texte coranique, en partie pour des raisons politiques, puisque à cette époque-là, on a des dynasties chiites qui règnent sur des populations majoritairement sunnites, et on va dire La gestion politique implique des sortes de compromis, voilà, ce qui n'était pas le cas dans les siècles précédents dans le chiisme. Donc c'est en réalité des débats beaucoup moins fluides, beaucoup moins simples qu'on ne le dit. Ce sont vraiment des questions politiques importantes. L'une de mes hypothèses personnellement est que la décision, notamment sur Abdelmalik, de diffuser, de publier finalement davantage ce texte coranique, a clairement des motifs politiques et probablement des motifs anti-chiites. Du point de vue du chiisme,
la prophétie, en réalité, et la parole prophétique ne s'arrête pas avec Muhammad, mais d'une façon ou d'une autre continue avec les imams. En figeant autant que possible le texte coranique, en le diffusant et en le mettant sous le strict contrôle du pouvoir omeyyade, d'une certaine manière, on excarne la parole prophétique. C'est-à-dire qu'au lieu que la parole prophétique soit d'une certaine manière incarnée par une personne, par un imam, qui est le chef des chiites, elle n'est plus l'apanage, le privilège d'une personne, mais elle est finalement le privilège d'un texte, d'un livre, donc d'un discours entre guillemets muet, qui n'est pas celui d'une personne vivante, discours dont la diffusion est, je pense que c'est l'objectif omeyyade, même s'il n'est pas couronné de succès complètement, dont l'interprétation finalement est l'apanage du pouvoir politique.